Toi, t'as déjà quel âge? Ouh! Le groupe Salam, c'est 12 ans d'âge. Man, Jess, mon frère. En 12 ans, qu'est-ce que vous avez vu? Ouh! Il avait beaucoup de gars. Un gars en dirait. Non, je déconne. En 12 ans, on va dire que on a un album, deux albums, un album et un maxi dans l'underground. Pas de façon officielle. On a commis deux albums dans l'underground. Le premier sorti en 2008. On était étudiants à l'époque. 2007. Décembre 2007, c'est ça. On était à l'université de Londres. Et le second, c'était... Le maxi est sorti en fin 2008. Et bon, pour l'instant, nous en sommes là. Et sans compter les nombreux concerts. Quels sont vos projets? Nos projets. Tu l'as dit, non? Avoir beaucoup d'enfants, se marier... C'est projet Salam, pas projet... Bon, d'accord. Projet Salam. Déjà, c'est le concert du 25. Ouais. C'est d'abord ça. Qu'on ne sent vraiment pas, hein? Attends le concert. On ne sent vraiment pas. Mais bon, le concert, il y a un album qui se prépare, qui aurait dû sortir en novembre, mais finalement, ce sera en février ou en mars, d'après la production, bien sûr. Donc, on marche selon les pas de la production. C'est un peu ça, au niveau des projets. Quoi. Ouais, Wanda, c'est pas défini. Quelles sont vos difficultés? Non. Tout à l'heure, Stéphanie disait quelles sont nos difficultés. Durant les 12 ans. Les 12 ans. Ouh, coucou! Les difficultés du monde. À toutes les difficultés du monde. On a eu quoi? Il y en a tellement que je préfère qu'on parle de la difficulté qu'on a actuellement. La difficulté qu'on a actuellement, c'est la stabilité. Parce qu'il y a Khalif qui n'est pas sur place, qui n'arrête pas d'aller entre... Il ne peut pas se retenir. Et sa femme va voir ça. On ne va rien supprimer. Elle va voir ça. Comment tu appelles l'instabilité déjà d'abord? Parce qu'il y a Frenzy qui est entre Garoua et Yaoundé. Khalif entre Garoua et Ngaoundéré. Moi qui suis à Douala. Donc tout le temps, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on voyage. Il faut. C'est pas évident. C'est ça la difficulté de l'œuvre Salam. Depuis la mouette de Tali, l'antidote, là, depuis qu'il nous a déquillé à 2 mètres de Garoua, ça fait 30 minutes qu'on est là. On attend. Je ne sais pas si c'est agence torture qui a déjà. Les écouteurs, il est quand même professionnel, gars. Je l'ai mignon. Hein. Tu crois que. C'est l'avion mon frère. Si quelqu'un doit amener ce clip là. Oh le poteau. C'est moi l'avion. Il vient d'arriver là. On vient ouais, de prendre. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est tranquille, il y avait trop de soleil en route, gars. Ah bon? Et puis, notre chauffeur, il s'appelle peut-être Dosdan. Parce que je faisais que voir. Attention, Dosdan. Ah, mon frère. Tu dis quoi? Gars, ça va. Gars, je viens de loin, bon. Depuis hier, 11h. Gars, je sais que tu viens de loin. Tu crois que nous, on vient d'où? Pour le comment concert. Comment vous sentez le concert? Pourquoi ça ne va pas? 100%. Pourquoi? On n'est pas sûr. Je pense que Khalif est un peu pessimiste, mais je sais que ça va aller, ça j'en suis certain. C'est vrai qu'actuellement on n'est pas vraiment calé au niveau du timing et puis. Et ça, ça va aller. C'est normal vu qu'on combien a. Combien de titres dans 12 titres. Non. 13 titres. Durant le concert. 15 titres. Mais c'est normal hein, puisque on a eu qu'une semaine de préparation tous les trois. Ouais. Une semaine c'est trop dire. Faut dire 3 jours. 3 jours de préparation. En 3 jours c'est pas facile de préparer un concert. Tu vois un peu. Donc comme je disais, c'est un problème de distance qui nous. En fait, la grosse difficulté. Ce concert, c'est que on est au four, tu vois.
il faut tout. Ce qui fait on se retrouve à afficher, à distribuer les pâtes, à tirer les affiches, à tirer, à répéter, pied, faire tout, monter même. On est fatigué, on est débordé, franchement. Mais ce qui ne tue pas sa langue le rend plus fort. Nous rendre, c'est qui ne nous tue pas, nous rend têtu. Actuellement, en ce moment où je parle, tu vois, je suis pessimiste. Mais moi, je me connais. Yeah, boum, tu parles de te connaître. Le dernier. Vendredi. La dernière fois qu'on a, que j'ai fait une scène avec ce gars, c'était en 2010, le 20 mai. Mais bien, j'ai pas reconnu Khalif avant qu'on ne monte sur scène. Vendredi. Vendredi, pardon. Subhanallah. Il n'a pas mis les mics. Les mics. Bambou, glace, j'ai chassé, c'est ta maratha, c'est ta samirachi, mon départ, salam, dame, 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 c'est la vie du mec, c'est pour Waila, vous, hot dans les arrêts, paré. Tapé de mon tarot, ouais, dans les mêmes points, ouais, les rebelles, ouais, dans les mêmes points, ouais, qui fait les rebelles. Quand tu donnes mini-mata, mi-rima, quand tu donnes mi-wati, ouais, yo, quand tu donnes mini-mata, mi-rima, jimol mal, mi-wati, nima, oh, oh, hé, na, moulé, garoua, mi-tumi, mi-wati, hé, ma, moulé, wala, ya, hunde, yo, yima, na, nina, fa, mina, mi-rima, cha, nina, fa, nina, mi-rima, hé, salam. Hold up, le DJ nous assiste, on fait péter les watts, bouger le ghetto, résoudre le stat, vivre le ghetto, on fait péter les routes, c'est, pour mi Africa, min wat, on moi do yima gouvela, America Europa, min yot, on moi do yima gouvela, weila, weila, oh oh, weila, 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 oh oh, weila. Faut être là. Faudrait être là, la gauche. Faudrait être là, la gauche. Parce que c'est lui qui n'est pas là. Oh, Ashuka, on va seulement lui dire. On va lui dire que bon, voilà, c'est réussi. Il va dire Tommy Andy. L'entrée, c'est une bière. Pape c'est une sang, bière. Seulement. Pour le pape sang seulement. Pour le pape. L'entrée, c'est combien? En fait, pour le pape, si tu veux avec. C'est juste 500. C'est juste 500. C'est 500. C'est 500. 500 pour les non-adhérents. Pour les adhérents, c'est gratuit. Non, ça veut dire que je n'ai pas payé. Si vous êtes adhérente, vous n'allez pas payer. Si vous êtes adhérente. Non adhérente, vous allez payer. Donc c'est un peu ça. On promet quelque chose de grand vendredi et on est sûr que le public va aimer ce qu'on va lui apporter. C'est ça. Quelque part, c'est ça. Autre question? Est-ce que vous avez des meufs? Pas encore. Est-ce qu'on a des meufs? Ouais, bon. Bon, Benzi est marié. Tadali. Sa femme n'est pas encore là. Non, c'est non. Je suis l'offre, mon frère. Benzi est marié, quand sa tu femme. Dis comme ça, s'il y a même une galante publique qui m'y a, elle va dire. Ah, tu te trompes ta femme, non? C'est pas grave. Moi, je cherche encore. Dali. Polygame. Bon, je reviens. J'ai dit à ma femme, Dali a trois femmes, donc je crois qu'on est déjà... Non, Dali n'a pas trois femmes, Dali est marié, c'est vrai, mais à la musique, pas un être de chair, parce que les femmes me font un peu peur, les femmes sont dangereuses. Bon, je voulais aussi dire un truc. Non, ça va, mais tu ne veux plus, ça va, il voulait. Donc... C'est très très important. Ouais. Très très important. Mesdames et messieurs. Ça
salut, c'est Tatiana. Je connais le groupe Salam ex Yassine depuis plus de 5 ans. J'ai eu le plaisir de travailler avec eux sur certaines chansons. Je les aime surtout à cause de leur originalité, avec des sonorités du drone. Ce sont de bons chanteurs et rappeurs. J'en suis sûre que le concert de ce soir va être un carton. Salam, c'est un jeune que je suis depuis 2 ans pratiquement. C'est des gars qui bossent sérieusement et qui mériteraient qu'on les encourage. Et quand j'ai la possibilité de les aider, je ne suis pas l'occasion. Je le fais avec plaisir. Donc vraiment, vraiment qu'ils sortent là, bon pour l'attendre. Je suis là dans le nord, à Garoua, et là j'ai rencontré les frères à moi du groupe Salam, et à qui je devrais vraiment donner tous mes encouragements. Vous savez, c'est pas évident pour nous dans le hip-hop, mais franchement, moi j'aime des gars comme ça, Salam, ils sont enracinés, Salam c'est la paix. Donc vous voyez, il faut maximum de respect pour vous, il faut continuer dans cette lancée. Merci. Et donc voilà, restez enracinés parce que c'est ça qui compte, mes frères. Donc, voilà. Respect à vous, on est connectés et puis donc pour le spectacle. Salam Lady B. Blo, ok. À la manière de...